Le numérique en Pays de la Loire en 180 secondes. C'est parti. Innova est une maison de 95 mètres carrés qui a été imprimée 3D avec un robot. C'est une révolution dans le domaine du bâtiment. Ça consiste en fait à imprimer sa propre maison. Alors c'est une première mondiale dans le domaine en fait de la fabrication additive dans le bâtiment puisque c'est une maison qui a été certifiée. Innova est la première réalisation d'un travail de recherche qui s'appelle Batiprint 3D qui est justement issu du travail collaboratif du numérique et du génie civil pour imaginer comment construire dans le bâtiment par impression 3D robotisée. ESOX développe une solution d'efficacité énergétique pour les professionnels avec notre premier produit, une tête thermostatique donc qui vient s'installer sur les radiateurs à eau chaude pour contrôler de manière intelligente le chauffage. Donc nous, on a bénéficié depuis le début d'un accompagnement local, notre école d'ingénieurs, sur la partie recherche, et Angers Technopole, sur un autre aspect lié au business, la CCI Maine-et-Loire, sur le développement financier de l'entreprise, et le groupe La Poste, sur la partie plus commerciale. À l'IUT de La Roche-sur-Yon, nous formons des techniciens en réseau télécom. L'alternance et les interventions des professionnels garantissent des liens forts avec nos entreprises locales et un taux d'insertion de 100% de nos étudiants. Polytech Nantes propose plusieurs formations dans le domaine numérique. Pour l'entreprise, c'est la possibilité de former quelqu'un en tant qu'ingénieur. Pour les étudiants, c'est la possibilité d'intégrer une entreprise et d'avoir une expertise, un savoir-faire. Dans les Pays de la Loire, on assemble les plus beaux, les plus gros paquebots du monde. Nous avons des relations internationales très importantes. Le numérique est au cœur des technologies industrielles aujourd'hui. On va parler bien sûr de réalité virtuelle, de système immersif. Ce qui est important, c'est de pouvoir vraiment rentrer dans l'objet numérique lui-même. Je suis ancien pompier de Paris et expert en formation incendie. Mon entreprise recherche en permanence l'innovation pour sauver plus de vies. J'ai compris en 2013 qu'injecter de la réalité augmentée dans les formations les rendait beaucoup plus impactantes. Grâce à l'écosystème Lavallois, nous avons réalisé une première mondiale en 2019 qui a été récompensée. Les leaders du marché français ont déjà passé commande.